Bonsoir et chers étudiants et étudiantes, on est très très heureux de vous retrouver sur les channels de CTA. CTA qui est Centro Tecnología de las Américas. Eh bien, on va vous présenter les cours de sérigraphie. On a avec nous Evelyne Aurélus ainsi que Davidson Lucien pour la présentation de ces cours de sérigraphie. Eh bien, on va juste céder la place à nos deux étudiants afin qu'ils puissent se présenter. Salut, moi c'est Evelyne Aurélis, moi c'est élève CTA. Moi content avec nous jeudi pour me présenter au cours sérigraphie. Bonjour tout le monde. Et non pas moi, c'est Lucien Davidson. Moi, c'est élève CTA, qui c'est Centro et Technologia des Races Américas. Moi, content avec nous aujourd'hui pour me présenter nous et cours Eh bien, on est encore de retour et de retour pour la présentation de ce cours. Aujourd'hui, on va voir comment peut-on faire ou bien la préparation de l'émulsion. Comment peut-on préparer l'émulsion? Eh bien, on a David qui est avec nous ainsi que Evelyne pour la présentation de la manière ou les façons qu'on peut préparer l'émulsion. Eh bien, ici là, David ainsi que Evelyne va vous montrer tout ce qu'on a besoin pour préparer l'émulsion. On va voir ce qu'on a besoin pour la préparation de l'émulsion. L'émulsion photosensible. Eh bien, voilà. Donc, David nous montre ici là. David nous montre et ici, Evelyne de préférence nous montre cette petite boîte qui contient l'émulsion. Et ceci là, c'est le photosensible. Ça, c'est sensible, c'est le sensible. Ici, c'est assez sensible que David nous montre. David nous montre le sensible. David nous montre là le sensible. Ici, donc c'est avec ça qu'on va préparer l'émulsion. Voilà, on regarde ici sur la table à impression. On regarde ici sur la table à impression le crayon ainsi que le bidon d'alcool. Le bidon de la colle. C'est avec la colle qu'on va préparer l'émulsion ainsi que le photosensible. On a ce crayon-là et ce bâton de crayon pour préparer ou bien pour diluer l'émulsion. Ici, David nous montre le galon de la colle. C'est avec cette colle-là qu'on va préparer. Voilà, vous voyez? Donc, c'est colle de menuisier. Colle de menuisier, c'est avec ça qu'on va préparer l'émulsion ainsi que le sensible. Ainsi que le sensible. Voilà. Evelyne prend ce petit bouteille ou bien ce bocal pour nous montrer comment qu'on va préparer l'émulsion. Voilà. David va mettre de la colle dans ce bocal. Vous voyez, regardez. David met de la colle et on va maintenant mettre du sensible dans ce bocal qui contient de la colle. Enfin, voilà, David nous montre le sensible. Ici, c'est le sensible. C'est le sensible. On va mettre au moins 3 gouttes. 3 gouttes. On va mettre 3 gouttes là-dedans. Vous voyez, David va mettre 3 gouttes. Voilà. 1, 2 et 3. Voilà. Voilà. Donc, 3 gouttes de sensible dans la colle. Et Evelyne dit-lui ça. Pour que ça donne de l'émulsion. Donc, c'est avec cette émulsion au photosensible qu'on va préparer l'écran, qu'on va mettre sur l'écran, qu'on va induire l'écran pour qu'on puisse faire l'impression par développement. Donc, on continue à diluer ça. Et puis, on continue à diluer ça. Et dès qu'on dilue le sensible plus la colle et ça donne l'émulsion.
de l'émulsion ou photosensible. Voilà, elle continue à le faire diluer. Elle continue à le faire diluer. Ok, regarde ici. Elle continue à le faire diluer. Ok. On va voir comment ça va se passer. Donc, eh bien, oui, c'est ça. Donc, c'est ainsi que David ainsi qu'Evelyne vient de diluer l'émulsion, le photosensible plus la colle et qui donne l'émulsion. Donc, je pense que ce coup vous a plu. Merci d'avoir suivi ce coup. C'était votre professeur Saint-Méus Emmanuel. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine au prochain cours. Merci, au revoir et à la prochaine. CDA, une école ouverte pour une nouvelle génération de professionnels.